séminaire, pour moi, ça a été une première expérience extraordinaire. Parce que premièrement, il m'a permis de sortir de chez moi, alors que ça faisait pratiquement une année que je ne suis pas sortie de la maison. Et ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de courage pour pouvoir sortir. Je ne l'ai pas regretté en venant ici. Donc, je ne l'ai pas regretté du tout. Hier soir, en rentrant, j'étais fatiguée, j'étais vidée, mais je me sentais bien. Ben, c'est quand j'ai commencé mon témoignage. J'ai toujours eu peur d'en parler. Je ne croyais pas que j'allais pouvoir le faire devant une communauté que je ne connaissais pas. Devant des gens que je n'ai jamais rencontrés, que je n'ai jamais vus, et que j'allais pouvoir exposer mon problème, et que j'allais pouvoir en parler, et que je trouverais du soutien dans des gens qui ne me connaissent pas et qui ont partagé ma douleur. Oui, c'est un début. C'est un début. Je compte continuer, c'est sûr. Nahid m'a mis sur le bon chemin. C'est un début. J'espère pouvoir continuer. J'espère pouvoir aller de l'avant. Faire ce qu'on s'est dit. Essayer d'appliquer ce qu'on a vu courant ce séminaire. Et comme on l'a dit hier, retrouver une devenant la guerrière une deuxième fois, reprendre mon courage entre mes deux mains et ne pas me laisser guider. Ben, pour Nahid, je lui envoie tous les beaux sentiments du monde. C'est la première fois que je la vois et c'est une personne adorable. C'est pas la personne qu'on voit à travers en fait la chaîne YouTube ou bien on l'entend sur la radio. C'est une personne très aimante, c'est une personne très humaine, sincèrement, parce que elle le fait avec amour. Tout ce qu'elle fait, elle le fait avec amour. On le sent. Moi, j'ai déjà vu pas mal de coachs et je peux vous dire que, en fait, ce que Nahid fait, elle le fait par amour, parce que elle a déjà vécu ça peut-être et elle ressent la douleur des autres. Elle la ressent fortement et donc elle donne le 1000% d'elle-même. Donc moi je la remercie du fond du cœur. Je la remercie profondément parce que sincèrement, hier, elle m'a mis sur le bon chemin. Donc je lui envoie plein de bisous.